Bili smo bez vode po 3 dana bez hrane. Pišak, mokraći smo bili. Morali smo, nisu imali šta drugo. Ljudi, dok nije palo 80 ljudi, nije se data otvarala, niti je zdraka nam bila, niti šta. Ranu su nam, samo po šnitu ljeba i po palju jednu od 3 kaške. Dans des hangars, affamés, assoiffés, obligés pour survivre de boire leur urine, leur détention dans les camps croates de Dresselg et Gabella confirme une fois de plus l'horreur quotidienne qui continue de régner dans les camps de prisonniers en Bosnie. Selon les témoignages recueillis par le Haut Commissariat aux réfugiés, ils étaient régulièrement battus ou torturés par brûlures de cigarettes. Certains seraient morts tous les coups. Lorsque les soldats croates du HVO étaient ivres, ils se misaient à tirer à la mitrailleuse sur les hangars où ils étaient détenus. 30 d'entre eux auraient ainsi été blessés. Torture physique, mais aussi psychologique, ils étaient obligés de chanter des chants injuriant les musulmans. Les délégués du HDR les décrivent aujourd'hui dans un état de désespoir et d'humiliation extrême. 2000 à 2500 prisonniers musulmans seraient toujours détenus dans le camp croate de Dresselg. Thank you.